Good morgen, allez Yiden Netzis aujourd'hui le Lunishmat Rosette Zohar Abatul Tana Moritz Moshe Ben Sultana Moshe Michal Ben Ali Ben Bachla Rachel David Ben Fortuna Mazal Fritna Claude Shlomo Ben Shalom et Lucien Batraïna. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah côté de 5 minutes éternelles, nous étions Maserhet Sota Perek Gimel Mishnah Dalet Eina Maspeket Lishtot Achepanea Morikot Veenea Boltot Vehimit Malet Gidin. מכאן אומר בן עזאי, חייב אדם ללמד את ביתו תורה, שאם תשתה תדע שהזכות תולה לה. רבי אליעזר אומר, כל המלמד את ביתו תורה, כאילו לומדה תפלות. רבי יהושע אומר, רוצה אישה בקו ותפלות, מתשעה קבין ופרישות. הוא היה אומר, חסיד שוטה, ורשע ערום, ואישה פרושה, ומכות פרושין, הרי אלו מחלה עולם או מבלה עולם. On est משנה relativement longue, mais très simple. La Mishnah me dit, d'abord elle commence à me raconter, il va y avoir deux, trois parties dans la Mishnah en fait. Première partie d'abord, c'est que, va apprendre comment ça se passe, une fois que la femme a bu de la sota et qu'il s'avère qu'en fait elle a fauté, comment, dans quel ordre elle se décompose la madame. Ena maspeket lishtot, elle ne finit même pas de boire, rien qu'elle commence à goûter les eaux de la sota, achepanea morikot, jusqu'à que ça, son visage devient pâle, vert, on dit vert. Ouais, verdâtre. Veenea boltot. Et d'un coup, ses yeux vont avoir des yeux globuleux qui vont commencer à lui sortir des yeux. Vehimit malet gidin. Et d'un coup, elle va avoir toutes les veines qui vont commencer à lui sortir. Vehem omrim. Et tout de suite, on disait Hotsiua. Ou même deux fois Hotsiua, Hotsiua. Sortez-la vite. Deux fois. Le plus vite possible. Vous savez pourquoi? Pas parce qu'elle va mourir tout de suite. Ça peut prendre du temps jusqu'à qu'elle meure. Mais ce qui se passe, c'est que la femme, lorsqu'elle a tellement peur de ce qui est en train de se passer, elle risque d'avoir du sang de Nida qui va lui sortir. Et ça va rendre impur la Hazara, comme ça la Gemara l'explique. Ok? Et ensuite, c'est rapporté dans le partenaire, tout ça, ok? Donc, Shelot est à mettre Hazara afin qu'elle ne va pas impurifier la Hazara. Mais dans la Mishnah, elle me dit ça, je sais que malgré tout, pas toutes les femmes mourraient instantanément. Il y en a pour qui ça prenait du temps pour réagir. Imiesh la zrout, on va expliquer pourquoi c'est une grave problématique avec une question fondamentale que les Mefarshim sont débattent dessus, on va expliquer un petit peu. Imiesh la zrout, d'abord, la Mishnah dit sache que si elle a du mérite, cette femme-là, Aïta Tolala, le zrout qu'elle avait mettait en suspens sa punition, qu'elle ne mourrait pas tout de suite avec cette mort atroce, ça prenait un peu plus de temps. Yesh zrout Tola, Shana Achat. Il y a un certain niveau de mérite, ça peut lui donner un an de répit. Il y a du mérite qui va lui laisser 2 ans de sursis. Elle finira par mourir, mais pas immédiatement. Et il y a aussi parfois un mérite qui va lui laisser même pendant 3 ans de répit jusqu'à qu'elle va mourir. On s'arrête là pour le moment et on explique de quoi ça parle. La Mishnah me dit en fait, si elle a du mérite, c'est quoi qu'elle a du mérite? Elle a du mérite de l'Imouda Torah spécifiquement. Soit cette femme-là qui a eu son écart, à part le fait qu'elle a fait ce qu'elle a fait, avant d'en arriver à là, c'était une bonne maman qui a éduqué ses enfants au Talmud Torah, elle a amené ses enfants au Talmud Torah, elle leur préparait les sandwichs, elle leur préparait leurs vêtements pour qu'ils aillent étudier la Torah. Ou même aussi pour son mari qui l'aille tous les soirs, au cours de Torah, ok, là, il étudiait la Torah toute la journée, chacun selon son niveau, il rentrait à la maison, elle lui préparait déjà un repas, elle faisait en sorte que tout soit prêt tout de suite pour que le plus vite possible, il puisse repartir étudier. Elle se donnait pour l'honneur de la Torah, pour l'étude de la Torah. Grâce à ça, elle reçoit comme mérite cette femme qu'elle ne va pas mourir de la mort atroce, que d'un coup, elle va avoir ses yeux qui vont devenir globuleux et ses veines qui vont lui sortir comme on a expliqué au début de la Mishnah. Mais elle va avoir une mort plus digne. Elle finira par mourir. On apprendra dans la prochaine Mishnah, en fait, d'abord je vous pose la problématique, une grande question que tout le monde pose.
Qu'est-ce que ça veut dire que tu vas lui laisser 3 ans de mérite parce qu'elle a du mérite? Mais pour le moment, cette femme-là, elle interdit à son mari parce que si elle a eu un écart, alors elle est interdite à son mari, son mari a le droit d'aller avec elle. Alors quoi, parce qu'elle étudie la Torah, elle a du mérite, alors on va faire que son mari va fauter avec elle. Chaque fois que son mari va se retrouver avec elle, il transgresse un interdit. Une femme qui a trompé son mari ne peut plus être permise à son mari. D'accord? C'est une question que beaucoup débattent. Il y a plusieurs réponses qui sont données. Une des réponses qui est proposée, simple, mais qui a en réalité discutée, ça ne marche pas, c'est que même si elle ne meurt pas tout de suite, on remarque tout de suite qu'il y a quelque chose de pas net qui s'est passé. Si elle était brillante et jolie, elle va d'un coup devenir moche, juste qu'elle ne va plus mourir de manière atroce très rapidement. Elle va être malade pendant 3 ans, pendant 1 an, 2 ans. En tout cas, elle ne va plus mourir instantanément. Mais en tout cas, on va voir tout de suite qu'il y avait eu un problème. C'est un avis, il y en a qui répondent autrement, que concrètement, elle n'est plus interdite à son mari parce que la Torah l'a permise. Et donc, il y a des mérites qui vont faire, une fois qu'elle a bu, c'est la Torah, c'est le procédé que la Torah l'a établi. Et voilà. Maintenant, la Mishnah continue, donc finalement, il s'avère que le mérite, c'est uniquement le mérite de la Torah. Si elle a fait des grandes mitzvot, ça ne l'aide pas. Elle a fait du chesed très gentil, elle a préparé des petits plats pour tous les malades de l'hôpital. Alors, en rendant visite, ça ne servira pas pour la protéger. Pour ça, elle aura fait une grande mitzvot chesed. Il faut savoir, dans le ciel, tout ce qu'on a fait de bien sera récompensé, tout ce qu'on a fait de mal sera reproché. Mais ce n'est pas un au dépend de l'autre. Parce que chaque mitzvah que vous faites, c'est écrit dans le Ramak, Meforash, que chaque mitzvah qu'on fait, c'est des mondes entiers de mérite et de sra. Chaque avéra qu'on fait, ce n'est pas des mondes brûlés. C'est certains coups qui vont encaisser. Il n'y a pas de raison à ce qu'on va mettre un au dépend de l'autre. Il n'y a pas de valeur. Les mitzvot que tu as fait, elles sont grandioses, elles sont gigantesques. Les avérotes que tu as fait, c'est des problèmes techniques qu'il faut résoudre. Ouais, c'est pas, on n'a pas de raison, de punir, de supprimer le mérite que quelqu'un a fait parce qu'il a fait une avéra. On donnera le onesh pour la avéra et puis après on donnera le sra pour la misa. Il faut savoir ça, c'est important. Mais une avéra ne peut pas être une misa. La misa est beaucoup plus grande qu'une avéra. D'accord? C'est comme si tu as ouvert un compte en banque, tu l'as rempli avec des millions de shekels. Et à part ça, pour faire tout ça, tu as transgressé une avéra. Et à cause de ça, tu vas avoir une amende ou une punition. Alors on va te faire purger tes petites peines. S'il fallait une petite semaine de prison, on te la donnera. Mais en tout cas, le million que tu as mis sur le compte en banque, on te le donne. On va dire, ah, t'as fait une avéra, on va te prendre tout ton compte en banque. Il n'y a pas de rapport entre les deux. Un, c'est gigantesque, et l'autre, c'est une avéra qu'il faut résoudre. Et on continue sur notre Mishnah maintenant. Donc on voit que le mérite de la Torah est tellement important que ça protège en cas de problème. Du coup, Mikan Omer Ben Azaï, de là il a déduit Ben Azaï, quelque chose d'original, en disant, ben, Chayav Adam Lalamed et Bito Torah, un homme a le devoir d'enseigner à sa fille l'étude de la Torah, pourquoi? Parce que peut-être que, chez Im Tishté, que si un jour elle est amenée à boire les eaux de la Sota, eh ben, Teda Shazchut Tolala, que tu saches ou qu'elle sache, que le mérite de la Torah va lui mettre en suspens le... une petite seconde, j'ai une tichete sota achat bifne bito, non, il a un peu changé là. J'ai un petit problème, je vais vous expliquer la problématique que j'ai, que d'un coup, je me suis soulevé une question originale. Là, elle me dit, enseigne à ta fille l'étude, elle apprend à ta fille la Torah, afin que si un jour elle boit, elle devra boire, et bien qu'elle sache que le mérite de la Torah, donc, va lui mettre en suspens sa punition. Voilà ce qu'elle dit. Mais en fait, j'ai eu un problème dans ce qu'elle dit. C'est-à-dire quoi? Bon, je dois apprendre à ma fille l'étude de la Torah, parce que peut-être qu'un jour, Chazou Shalom, ma fille, elle va avoir un écart, et au moins, elle aura le mérite de la Torah qui va la protéger. On n'a pas parlé du mérite de la Torah qu'elle va étudier, on a parlé du mérite de la Torah que les autres ont étudié. C'était la problématique que j'avais. Peut-être que, alors je suppose que quand on va lui enseigner la Torah, elle va en même temps apprendre l'importance de l'étude de la Torah. Comme ça, elle va être une bonne femme pour son mari et ses enfants, et que si un jour elle a un accident, alors elle va être protégée. C'est ça ce qu'elle va vous dire, Ben Azaï. Ça, c'est original quand même. C'est-à-dire, on ne peut pas éduquer sa fille à ce qu'elle soit une bonne fille, qu'elle n'aura jamais d'écart. Je suis un peu étonné de sa déduction, quoi. Tu sais, apprends à ton fils la Torah, comme ça. Si un jour il va se droguer et être un assassin, au moins qu'il va étudier, c'est un peu bizarre. D'accord, j'ai pas tellement compris, Kilo. D'accord, c'est la déduction de Ben Azaï. Un homme, il doit étudier à sa fille la Torah, comme ça, il va voir, peut-être comme ça, il va, peut-être probablement, je déduis, comme ça, il va éduquer à sa fille l'importance de l'étude de la Torah, combien elle est grande, et comme ça, ça va être une bonne maman, pas forcément qu'il va avoir un écart. Je sais pas, j'ai un peu de mal à comprendre ce qu'il a voulu déduire, Ben Azaï. Apprends à ta fille l'étude de la Torah, comme ça, si un jour elle a un accident,
Eh bien, au moins, la Torah va la protéger. Bon, d'accord. Rabbi Eliezer, mais en tout cas, sur ça, maintenant, du coup, on va ouvrir un petit débat original dans notre Mishnah. Est-ce que c'est bien d'étudier, d'enseigner la Torah à sa fille? Selon Ben Azaï, c'est important de le faire. Selon Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer meurt pas du tout. Kol amed et bito Torah ki ilu lomda tiflut. Tiflut, ça veut dire, c'est apprendre à la légèreté d'esprit pour faire de la... En deux mots, tiflut, c'est se dévergonder. D'accord? Ouais, on ne va pas laisser l'étymologie, mais le mot tiflut, ça veut dire se dévergonder. La Mishnah me dit, Rabbi Eliezer me dit, il ne faut surtout pas enseigner la Torah à sa fille, parce que celui qui enseigne la Torah à sa fille, eh bien, Keilu Lomda Tiflut, il apprend à comment se dévergonder. Parce que la Torah, elle donne des forces très fortes, de vice et d'intelligence. Elle va t'apprendre à, toujours quand on étudie la Torah, quand on étudie la Mishnah, quand on étudie la Gemara, hein, le but c'est toujours de déduire de ce qui est écrit, ce qui n'est pas écrit. Ça veut dire qu'on est constamment quelqu'un qui est plongé dans l'étude de la Torah, qui étudie la Gemara, qui approfondit, sans arrêt, dans tout ce qu'il fait, c'est sans arrêt, est-ce qu'on ne peut pas penser le contraire? Ça donne un esprit critique, ça donne un esprit d'essayer de voir à travers le texte, ça rend les gens vicieux. Alors pour un homme, c'est parfait. Il a la Yirat Shamayim et il étudie la Torah, et comme ça, il apprend à être vicieux, comme ça, il apprend à comprendre les vices de la vie, à mieux comprendre pour mieux les surmonter, ça le construit. Mais une femme, elle est naturellement moins, plus influençable, et forcément, elle a une tendance, comme ça on va voir aussi dans le sujet de la Mishnah selon Rabbi Yoshua, qui va encore plus loin dans cet esprit, elle est plus naturellement, elle peut être plus facilement influençable et tomber. Et donc du coup, tu vas apprendre à ta fille du vice, c'est certain que tu es en train de lui apprendre à comment se dévergonder parfaitement, et à camoufler un peu de ça, tous ses coups, parce que maintenant elle est devenue très 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 intelligente, ta fille, sa fille. Elle est maintenant, elle sait, en plus de ça, elle s'est trompée son mari en faisant en sorte que c'est une grande tzadika. Alors il n'en est pas question, il ne faut pas enseigner la Torah à sa fille, selon Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua va encore plus loin, et va me dire, sache que de nature, une femme, Rotsa Isha Bekav Vetiflut, Mitish Akabin ou Prishut. Psychologiquement, il faut dire la psychologie de femme. La femme, elle aime tellement être en bonne compagnie, d'accord, avoir son mari qui est pour elle. Une femme, elle préfère se marier avec un mari qui ne va pas être forcément riche, il va lui porter juste un cave à manger. Mais que tiflout, que sans arrêt, elle sera heureuse au lit avec lui, ouais, ça lui coûte plus et c'est plus important pour elle que mitish à cabine ou prichoute. Qu'un mari qui va être immensément riche, lui apporter toutes sortes de... Ouais, mais que le mari, il va l'apporter, il va l'apporter donc 9 fois plus de gashmiout, mais que prichoute, il ne va pas être là. En deux mots, proposer à une fille... Avec qui tu préfères te marier? Avec un mari qui va être un petit artisan, il va penser à travailler, mais il est là tous les jours, il est là, tes petits soins, tes trucs, et comme ça, il se te prend de câliner. Ou plutôt, un mari qui va faire des affaires et tout, il part pendant 3 mois, il te ramène des tas d'argent et des tas de luxe. Qu'est-ce qu'elle préfère à la femme? La femme, elle préfère naturellement être prise dans les bras de quelqu'un. D'accord? Et donc du coup, puisque c'est dans la nature d'une femme d'être comme ça, il nous prévient Rabbi Yoshua. Il n'en est pas question de lui donner du vice. Parce que là, ça va être une grande vicieuse, la madame, et naturellement, la femme, elle est plus attirée par le côté sensuel, et dans ce cas-là, ça va être une catastrophe. Donc il ne faut pas lui enseigner la Torah. Il vient juste renforcer ce qu'elle a dit Rabbi Eliezer, en fait, en renforçant encore plus violemment. Voyons, de même, dans la même lancée, Rabbi Yoshua avait l'habitude de dire une phrase. Chassid choté, quelqu'un qui a un chassid qui fait des actions grandioses de chassidoute, mais qui est choté, qui lui manque une tête. La Gemara donne un exemple pour chacun. D'abord, je traduis les quatre expressions. Je traduis la phrase et après, je reprends les exemples de la Gemara. Chassid choté, un chassid, quelqu'un qui fait beaucoup de zèle, mais qui n'est pas intelligent. Ou verasha arum, ou quelqu'un qui est mauvais et vicieux. Ve isha prusha, et une femme qui est, comment dire, sénile, je crois que c'est. Non, quelque chose qui est quelqu'un qui est parouche. Parouche, c'est quelqu'un qui fuit les. Qui est très ascète, c'est le mot, qui est très, qui fuit les, qui ne veut pas profiter du Olam Hazeh, une femme qui est toujours tzadika avec son 10 livres de Tehillim, et on a l'air que c'est la grande tzadika qui ne veut avoir aucune pensée de quoi que ce soit, et de même aussi au Makot Prushim, ou bien quelqu'un qui est un parouche, quelqu'un qui est un ascète, et que tu le vois qui se flagelle, qui se met des coups, ouais, ah, des grands tzadikim tout ça, sache que Areelu, Mechale Olam, ou Mevale Olam, ce sont des gens qui sont en train de qui détruisent le monde parce que tu ne sais pas ce qui se passe par derrière.
Quelqu'un qui sait être rigolo, tu sais qui il est. Quelqu'un qui est sans arrêt, très sérieux, tu sais pas quand il ferme la porte de chez lui, qu'est-ce qui se passe. Ou que des fois, quand il va fermer la porte de la voisine, même des fois. Donc, voyons, c'est ce qu'il nous dit. Il y a un exemple pour chacun. Chassid Choté, un chassid, quelqu'un qui veut faire des grandes actions de zèle, de grandes mitzvot grandioses, mais qui lui manque de la jugeote pour peser le pour et le contre. Par exemple, lui, il a décidé qu'il va jamais il approche une femme, il va parler avec aucune femme. Il passe à côté d'un fleuve et il y a une femme qui est en train de se noyer. Non, non, moi je pense pas aux femmes, je veux pas voir une femme. Et à cause de lui, car grâce à sa grande sidkout, il y a une femme qui meurt. Alors là, c'est pas le moment d'être acide. Il faut être acide, c'est très bien d'être acide. Mais avec de la jugeote, avec du sechel. De même aussi un racha arum. Alors la grande proposition, c'est quoi un racha arum? Quelqu'un qui a un racha arum. Un méchant vicieux. Alors là, elle est partie sur ça, sur plusieurs exemples, notamment celui que quand il a un procès, il va d'abord voir le juge pour lui proposer quelques... Il est très vicieux, il ne va pas parler du cas qu'il a besoin de lui parler, il va lui poser une question de halakha, qui va en fait être un machal pour que le Dayan va ensuite partir dans ce qu'il a entendu dire. Simplement, il y a plusieurs... De manière générale, c'est quelqu'un qui fait des coups, il utilise le vice pour tromper les gens. D'accord? Chacun à sa manière. De même encore, Veisha Procha, alors on a dit la Isha Procha, c'est la femme qu'elle est toute la journée habillée, toute vêtue de noir, toute enfermée, trop de snoa de manière anormale. Alors là, peut-être que c'est une grande syndicat, la Gemara rapporte d'ailleurs, la Gemara dit il y a 2 minutes, c'est pas une généralité aussi violente. Il y avait, la Gemara le prouve, il y avait telle femme qui était des grandes syndicates, qui étaient complètement vêtues, complètement couvertes parfaitement, et c'était pas des vicieuses. Mais la Gemara nous rapporte un exemple, elle nous rapporte aussi un exemple d'une femme aussi qui était aussi comme ça, qui était la grande tzaddikette qui priait pour tout le monde. Elle partait chaque fois qu'elle entendait une femme qui accouchait, elle partait la voir. Et quand elle voyait une femme qui était en train de souffrir pour accoucher, elle partait et elle faisait des tfilotes en pleurant et en s'emballant. Jusqu'à qu'à la fin, la femme, elle était sauvée. Les gens disaient que c'était une grande tzaddikette. En réalité, cette femme-là, c'était une sorcière. Elle partait voir les femmes qui étaient en couche, elle leur jetait un sort pour qu'elles galèrent, pour que ce soit dur. Elle partait faire des tfilotes, comme ça tout le monde dit que c'est une grande tzaddika. D'accord? Et ça existe. Et ça, c'était quoi? Une Isha Procha, pourquoi il faut faire attention? Ou Makot Prochim, c'est des gens qui se flagellent, qui se montrent que c'est des grands tzaddikim, qui marchent en traînant les pieds, qui se laissent aller comme si ils n'ont pas de truc. Ou il y a un autre avis, Makot Prochim, cette fois-ci, il y a encore un autre avis qui explique autrement dans la Gemara. C'est qu'il marche, il ne veut pas voir les femmes, il marche les yeux fermés jusqu'à qu'il se cogne la tête dans les poteaux. Il a du sang de partout tellement qu'il est balafré par les poteaux qui l'ont frappé parce qu'il ne voulait pas garder les chemins d'Anaïm. C'est très bien d'être un grand sadique et il faut l'être. Et ne pas regarder, ne pas penser à des choses obscènes, ne rien regarder, c'est très très important. Mais toujours en gardant une midata tiferet, en étant tiferet l'oseav et tiferet l'omina adam, en étant normal. Et si jamais tu vois quelqu'un qui est parti trop à l'extrême, ne t'emballe pas en te disant que c'est un très grand sadique, commence à vérifier qu'est-ce qui se passe là-bas, parce qu'il est fort probable que tu ne seras pas très souvent surpris, malheureusement, en mal, pour voir qu'en réalité, il lui manquait l'équilibre naturel à l'intérieur de lui, et forcément, il était comme ça, parce que par derrière, il était complètement dingo, et il faisait toutes sortes de choses encore ahurissantes. Malheureusement, c'est des choses qui existent, d'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tuv Selah.